Дами и господа, ваше превъзходителство, добър вечер. За мен е наистина голямо удоволствие да продължим този вече трети дебат, както виждате от поредицата «Каква Европа искаме ние?». Една много важна тема, особено в сегашната ситуация. От една страна, така отбелязваме 60 години от 25 март 1957 година, която бяха поставени, да речем, икономическите и политическите основи на Европа, такава каквато искаме, може би. От друга страна, пред нас е Брекзита, предстоят избори, много важни избори във Франция, предстоят много важни избори в Германия. Това са двете страни основателки, може би най-важните и икономики, и политики в Европейския съюз. Нека да напред да ви представя събеседниците, хората, които ще дебатират пред вас, като веднага ви казвам събеседниците поради проста причина, че в този дебат вие също може да участвате във всеки един момент, в който имате наистина интересен въпрос, като молбата ми обаче това наистина да е въпрос, а не изказване, нали? Правите тази тънка разлика между двата жанра, да ги наречам. Разбира се, ако нямате въпроси по време на самия дебат, след това ще имате възможност вече да зададете вашите въпроси също. Господин Жан Катхамер, известен френски журналист, който работи в Либерасион, който от 90-те година е в сърцето на Европа, в Брюксел. Il est au cœur de l'Europe depuis les années 90. Je pense que c'est quelqu'un qui peut partager avec nous beaucoup de choses qu'on ne connaissons pas toujours, qui ne sont pas toujours accessibles pour nous. Mais il y a peu de temps, il y a son livre qui est sorti. J'ai pas eu l'occasion de le lire. J'espère que voilà, je vais le faire bientôt. Mais donc en bulgare, c'est à peu près, les salopards en Europe, donc le manuel pour les eurosceptiques, mais ça, c'est une traduction donc du bulgare. De mon côté gauche, vous avez Madame Tatiana Borodieva, que vous connaissez tous, donc c'est une universitaire, c'est une personnalité assez célèbre en Bulgarie, et là, juste au bout, vous avez mon ami Tony Nikolov, qui est journaliste, philosophe, j'allais dire propriétaire, mais en fait, il n'est pas propriétaire, il est juste à la tête, donc, de cultura.bg, bon, espérons qu'un jour, tu en seras le propriétaire, on ne sait jamais. Donc, on va tout de suite aborder le sujet. De quelle Europe parlons-nous? Est-ce que c'est l'Europe de l'hellénisme avec les poètes, les sculptures, en partant donc d'Hercules pour aller, par exemple, jusqu'au Moyen-Orient? Peut-être. Mais n'oublions pas qu'à cette époque-là est apparue la notion de barbare. Voilà. Et tous ceux qui ne parlaient pas grec étaient barbares. Peut-être c'est l'Europe de l'Empire romain, lorsque la Méditerranée était le Mare Nostrum, et lorsqu'il y avait donc la Pax Romana. Peut-être. Mais en fait, nous sommes venus de l'Est, du Nord et de l'Ouest, et donc Mare Nostrum, c'était plus donc notre mer. Voilà, donc... Alors, pouvons-nous parler dans ce cas de l'Europe du christianisme? C'est possible. Mais n'oublions pas que ce christianisme a tout d'abord séparé l'Europe en deux, donc Est et Ouest, et plus tard, il y a eu donc la séparation Nord-Sud. Et en fait, avec cette séparation, nous nous sommes retrouvés dans le coin effectivement le plus défavorisé, le plus au Sud, le plus à l'Est. Peut-être pouvons-nous parler de l'Europe de 1789. C'est possible, mais ensuite Napoléon est arrivé. Dans l'une de ses mains, il tenait donc la déclaration des droits de l'homme, mais dans l'autre, c'était le glaive. Donc vous imaginez que toute série, nous pouvons donc la poursuivre à l'infini. Et vous savez très bien que chacun d'entre vous pourra effectivement retrouver son Europe à lui dans ce genre de réflexions qui sont parfois très contradictoires. Mais comment, pour aborder le sujet, ce sera ma première question que je formulerai et que je poserai à Monsieur Quatremer. De quelle Europe parlons-nous, en fait? On parle de l'Europe qu'on a fondée à partir de 1950.
On n'a pas fondé l'Europe sur la chrétienté, on n'a pas fondé l'Europe sur des valeurs anciennes, on n'a pas pensé à Platon quand on a fondé l'Europe. On a fondé l'Europe parce qu'il s'agissait de réconcilier la France et l'Allemagne. L'idée européenne, c'est une idée qui est ancienne, effectivement, on cite toujours Victor Hugo, mais on ne va peut-être pas remonter jusque-là. Il faut savoir que juste avant la guerre, en 1929, on avait évoqué l'idée de constituer une communauté économique européenne déjà. C'était le ministre des Affaires étrangères français, Aristide Briand, qui avait proposé de faire cette Europe. Et les Britanniques avaient dit non, on ne va pas faire ça maintenant, l'idée est bonne, on va attendre 1939 pour faire l'Europe. Toujours cette vista britannique, c'était plutôt bien vu. Et en 1939, c'est une autre Europe qu'on a eue, c'est l'Europe des nazis à laquelle on a eu droit. Donc, en 1945, les Britanniques, après avoir payé une nouvelle fois le prix du sang pour venir à notre secours, lutter contre le nazisme avec les troupes américaines, ont relancé l'idée européenne. C'est Winston Churchill à qui l'on doit cette relance de l'idée européenne, qui n'imaginait pas du tout une Europe dans laquelle la Grande-Bretagne serait partie prenante. Pour lui, l'Europe qu'il proposait, c'était pour organiser les tribus européennes. En gros, comme on est des tribus un peu sauvages et qu'on passe notre temps à se battre entre nous, ben, il fallait nous organiser, politiquement, économiquement, mais sous le regard bienveillant, si vous voulez, de nos amis russes, soviétiques à l'époque, nos amis américains, et évidemment de la Grande-Bretagne et de son Commonwealth. Il était hors de question pour Winston Churchill et pour les Britanniques à l'époque de faire partie de l'Europe. Parce qu'ils ne se considéraient pas comme une de ces tribus européennes batailleuses. Ils étaient bien au-dessus de cela. Et la chance qu'on a eue à ce moment-là, c'est qu'on a eu une élite, une petite élite franco-allemande. Alors, les Français, eux, ils avaient un intérêt évident à construire cette Europe. Ça allait aider à la reconstruction de la France et surtout éviter à terme un nouveau conflit avec l'Allemagne qu'on sentait déjà possible en 1945. Dans cette Europe ruinée, en sang, mourant de faim, la guerre ne s'est pas arrêtée brutalement en 1945. La guerre, elle a encore duré pendant 5 à 10 ans, pas tellement en France, mais en Europe de l'Est. Il y a eu des transferts massifs de population, les gens mouraient de faim, il y avait, la reconstruction était en cours. Donc, ce n'était pas facile de construire l'Europe à ce moment-là. Et des Français, cette petite élite française, notamment démocrate chrétienne à l'époque, Jean Monnet, Schuman, en Italie, Alcide Gasperi, etc., se sont dit, il faut construire quelque chose. Et du côté allemand, l'intérêt pour l'Europe était évident, parce que ça leur permettait d'éviter ce qu'on appelait à l'époque donc le démembrement de l'Allemagne, c'était le fameux plan Morgenthau, c'est-à-dire diviser l'Allemagne en plusieurs zones et en faire une puissance agricole. Donc, le seul moyen d'éviter ce démembrement, qui aurait été catastrophique, évidemment, dans l'histoire de l'Europe, c'était de revenir dans le concert des nations via la construction communautaire. Donc c'est un projet politique et de paix, dès le départ. C'est-à-dire la question de la religion, la question de la philosophie, etc., c'est une question qu'on ne s'est pas posée à l'époque, évidemment. Et les Américains ont donné leur bénédiction à ce projet. Au début, je n'étais pas persuadé que c'était une bonne idée, mais parce qu'ils se sont rendus compte que la présence des troupes américaines à elles seules ne suffirait pas à garantir la paix, et qu'il fallait que ce soit les Européens eux-mêmes qui intègrent la paix pour avoir une chance qu'ils n'aient pas à réintervenir une seconde fois. Donc la paix a permis l'Europe, la présence américaine a permis l'Europe, ça c'est vrai, c'est la paix qui a permis l'Europe, mais c'est l'Europe qui a consolidé la paix. Donc les Américains l'ont très très vite compris. Et cette Europe, quand elle s'est constituée, elle s'est constituée, évidemment, sans l'approbation des peuples. Elle s'est bâtie dans le dos des peuples, et ça a été parfaitement assumé. Imaginez qu'en 1950, on ait fait un référendum en France pour demander aux Français, 5 ans après la fin de la guerre, s'ils étaient prêts à faire la réconciliation avec l'Allemagne, s'ils étaient prêts à faire l'Europe, ou s'ils préféraient qu'on passe par le fil de l'épée l'ensemble de la population allemande. Vous croyez, qu'est-ce qui serait passé à ce moment-là? Qu'est-ce qu'aurait décidé dans sa très grande sagesse le peuple français? Évidemment, le démantèlement de l'Allemagne et la fin du peuple allemand, évidemment.
Allez aujourd'hui en Bosnie-Herzégovine, vous n'êtes pas loin, moi j'y étais encore il y a 3 ans, passer des vacances en Bosnie-Herzégovine, 20 ans après la fin de la guerre. Comme il n'y a pas eu une élite éclairée en Bosnie-Herzégovine, qui a su surmonter les passions populaires, eh bien 20 ans après, ils en sont au même point qu'en 1995. Aujourd'hui, on se retire de Bosnie-Herzégovine, le conflit recommence dans la seconde. La haine est intacte. Nous, on a eu cette chance d'avoir une élite éclairée. Oui, ça s'est fait. L'Europe, au point de départ, s'est fait dans le dos des peuples, mais elle ne pouvait se faire que dans le dos des peuples. Et les États, ce sont... Et moi, à chaque fois que j'entends les reproches des europhobes et des eurosceptiques qui me disent « L'Europe s'est constituée sans l'approbation des peuples », mais qu'on me cite un État qui a été constitué avec l'approbation des peuples. Moi, je suis français. Je suis lorrain. Vous croyez que les troupes de Louis XV, quand elles sont pénétrées dans le duché de Lorraine, qui appartenait jusque-là au Saint-Empire romain germanique, a organisé un référendum pour nous demander, à mes ancêtres, est-ce que vous êtes d'accord pour rejoindre le fabuleux royaume de France ? Je veux dire que l'histoire de la France, c'est à coup d'épée, à coup de sang, à coup de violence, à coup de viol qu'elle s'est faite. La France, elle est la France que parce que ça a été une histoire violente, mais c'est pareil pour tous nos États. Moi, je ne connais pas un État, j'appellerais ça l'État woodstockien, où on est là en train de fumer des cigarettes qui font rire, avec des fleurs dans les cheveux, et on va tous, et ensemble, on va faire un État. C'est-à-dire que c'est juste un rêve. Bon. Donc oui, l'État, l'Europe s'est faite dans le dos des peuples, et heureusement qu'elle s'est faite dans le dos des peuples. Bon. Et heureusement. Donc d'accord. Je dis merci à cette petite élite brillante qui a su voir autrement plus loin que le prochain vote, la prochaine élection, et qui a osé se lancer dans cette construction, indépendamment de savoir si les peuples étaient d'accord. D'accord, je comprends très bien votre point de vue, mais maintenant, сега бих искал госпожа Буручева, тя да ми отговори за коя Европа говори и за коя Европа ще говори. След това страхотно представление се чувствам предизвикана да променя част от... Voilà, peut-être que je suis un petit peu provoquée. Voilà, il m'a incité à réfléchir un petit peu. En fait, c'est plus l'Europe qui a mis en place la paix. C'est donc cette Europe qui n'essaye pas donc de fonctionner sur le dos des peuples. Mais plutôt qui organise des référendums et résultat, vous avez donc le Brexit. Cette Europe dans laquelle les valeurs sont plutôt les valeurs de la haine plutôt que celles du bien. Donc si je dois effectivement rebondir et m'inscrire dans le prolongement de ce qui a été dit par M. Quatremer, je dois dire qu'à partir d'un projet politique et qui est censé donc stabiliser le continent et la paix, je dirais que l'Europe s'est transformée, l'Union européenne s'est transformée en un projet juridique qui en fait impose donc les normes et les valeurs par le haut, et selon vous, ce n'est pas une bonne chose, effectivement, parce que d'une part... Ça se fait d'un point de vue communication d'une manière très incohérente et pas très correcte. Nous avons eu donc la possibilité d'en parler hier avec les autres participants, mais donc nous n'avons pas de communication qui permettrait effectivement de créer du contenu et de créer du sens, donc de donner du sens à ce que nous effectivement nous envisageons comme l'Europe. Il y a beaucoup plus d'informations d'ordre administratif, politique, mais ce n'est pas une communication qui permette la compréhension et qui effectivement crée un champ commun pour cette compréhension. Donc en fait, la communication politique qui devrait être l'outil principal pour le développement et donc l'efficacité de l'Union européenne en tant que projet politique, eh bien c'est quelque chose qui manque. Mais par contre, c'est présent à travers donc les fonctions de manipulation, à savoir créer donc des images. Et donc en fait, vous avez donc une manipulation très efficace en termes de création de l'image de l'ennemi. Mais les principales valeurs qui devraient effectivement donc nous animer nous tous,
ce qui me permettrait effectivement d'évaluer et donc de nous satisfaire de notre propre fonctionnement au sein de l'Union européenne. C'est quelque chose qui est minoritaire, qui n'est pas partagé par la société. C'est un caractère plutôt national plutôt qu'européen. Et donc, en fait, ce sont des valeurs instrumentalisées. Et donc, en fait, ces valeurs vues comme des outils. Et d'ailleurs, l'Europe, en fait, elle a perdu son objectif commun. Donc, il n'y a plus de sens commun auquel elle aspire. Et à partir de là, vous avez donc le sens des valeurs elles-mêmes devient purement académique. Parce que les vraies valeurs, en fait, elles fonctionnent de quelle manière? C'est effectivement mettre en place cette image de l'ennemi. Et l'ennemi, c'est qui? C'est effectivement l'Union européenne. Tandis qu'au niveau national, au niveau européen, donc les eurosceptiques, dont parle donc Jean Quatremer, donc ce manuel des eurosceptiques, c'est beaucoup plus facile donc de construire ces images en raison donc de ce déficit croissant de compréhension de l'autre, qu'est-ce qu'il représente exactement, à quoi est-ce qu'il aspire. Et il y a encore le fait que nous partageons des idées communes. Donc en fait, il y a un problème avec ce partage d'idées communes sur ce que l'Europe devrait être. Alors, Tony, donc vous avez aussi l'Europe du populisme. Oui, l'Europe des valeurs communes et l'Europe du populisme, en fait, ce n'est pas si contradictoire de ça. Je reviens à ce qui a été dit par Jean Quatremer de manière assez pathétique. Mais effectivement, il a mis le doigt sur un certain nombre de problèmes. Mais je pense que c'était dans les mémoires de Jean Monnet. Effectivement, j'avais lu quelque chose sur un écrit qu'il avait rédigé après la guerre. Il y a quelque chose qu'on a tendance à oublier. Donc, qu'est-ce qu'il dit ? On ne va pas coaliser des nations, nous allons coaliser des gens. Et donc, en fait, ces deux couches dont il était question, donc au départ, nous avons essayé d'expliquer une idée qui permettrait de coaliser des gens. Et puis ensuite, nous avons été réduits à la réalité dans laquelle vivent les nations. Et les nations, elles sont composées de personnes vivantes. Et nous ne pouvons pas effectivement coaliser des gens avant de passer par les nations. Donc ça, c'est la contradiction initiale du projet européen. Mais cette contradiction initiale, elle est profondément ancrée. Elle ne peut pas être éludée. On peut effectivement la contourner ou la corriger uniquement si nous avons toujours en tête le fait qu'il y a quelque chose qui précède le projet européen. Donc on parle toujours de cette image de l'ennemi, donc l'Union européenne vue comme ennemi, comme l'eurocratie, comme quelque chose de, comme une structure lourde, comme un édifice lourd qui nous est étranger. Mais avant cela, il y a une idée de l'Europe. Et ce n'est pas juste une abstraction qui est qu'on serait allé chercher dans des manuels historiques. Vous savez, le mythe de l'Europe et tout ça. D'ailleurs, il y a des étymologies très intéressantes donc de l'Europe. Que signifie l'Europe? En fait, l'Europe, qu'est-ce que ça veut dire? Un regard très large, très vaste. Et donc, en fait, lorsque vous voulez être européen, vous êtes obligé, effectivement, d'élargir votre point de vue. Vous n'êtes pas dans le nombrilisme, vous ne voyez pas que le bout de votre nez, vous voyez quand même plus loin. Voilà. Et ce qu'on oublie toujours, c'est que l'Europe, elle a été créée à cause de quelque chose. Donc, en fait, l'Europe unie, elle a été créée en raison de cette nécessité d'instaurer la paix, pas seulement à cause de la Première Guerre mondiale ou de la Deuxième Guerre mondiale, mais en fait, à cause de la menace globale après l'Holocauste et le Goulag, parce qu'il y a eu des tanks soviétiques qui étaient là et qui ont effectivement écrasé la moitié de l'Europe. Évidemment, l'Europe s'est rendue compte qu'elle ne pouvait pas compter uniquement sur l'intervention américaine. Ensuite, l'étape suivante n'a pas été réalisée parce qu'il y avait l'Amérique. Mais en fait, votre pragmatisme commence à m'effrayer maintenant. Donc en fait, on parle de valeurs alors que vous êtes tellement, tellement pragmatique, politiquement et économiquement parlant. Non, ce ne sont pas des choses qui s'excluent mutuellement. Mais à la fin de la guerre, je pense que c'était en 1946, il y a donc des conférences qui sont organisées à Genève justement sur ce sujet-là. Qu'est-ce que l'Europe? Et donc, en fait, les participants se... Alors, Jaspers, par exemple, lui, il avait sa réputation d'anti-nazi. Et qu'est-ce qu'il a dit à l'époque? Il a dit, l'Europe, c'est trois choses. Une histoire commune. Comment nier ça?
Ensuite, dans cette histoire commune, vous avez les cultures, la cohabitation, les guerres, les peuples, tout ça. Là où il y a l'Europe, il y a une histoire commune. En deuxième lieu, il y a la science, donc la Wissenschaft. Mais voilà, donc en fait, il y a une connaissance qui s'est accumulée en Europe et c'est quelque chose qui a été exporté partout dans le monde. Donc en fait, c'est le savoir-faire de l'Europe qui a été transmis. Et en troisième lieu, vous avez la liberté, qui n'est pas seulement individuelle, mais qui est également politique. Et ça, c'est la valeur la plus importante de l'Europe. Donc, l'Europe était sur le point de perdre cette valeur-là. Elle le savait très bien. Donc, trois choses simples en tant que valeur. Donc, effectivement, à ce moment-là, moi, je soutiens Karl Jaspers. Mais moi, je voudrais continuer avec Jean Quatremer, parce que, quelque part, donc, effectivement, sur les critiques de son livre, j'avoue encore une fois que je ne l'ai pas lu, mais quelque part dans les synthèses qui ont été faites, etc., j'ai vu quelque chose que vous aviez dit, à savoir que les ennemis donc les plus importants de l'Europe, ce sont les États-gouvernements. Voilà, en fait, les différents gouvernements. Je crois qu'il y a un des malentendus fondamentaux de la construction européenne, c'est quand on a dit que on visait à construire une Europe des peuples. Oui. Non. Ce qui s'est construit, c'est une Europe des États. C'est une Europe des États qui a été construite, et c'est une Europe des États que nous avons aujourd'hui. Ce n'est pas une Europe des peuples. Et donc, toute la lecture des institutions communautaires qu'on peut avoir, c'est simplement quelque chose qui est fait pour, médiatiser par la voie du droit les conflits entre les États qui auparavant se réglaient par la voie de la guerre et des confrontations physiques et violentes. D'accord ? Donc, encore une fois, c'est un projet de paix, mais de paix entre les États. Les peuples ne sont que des instruments aux mains des États. Vous savez, aujourd'hui, on est en paix entre la France et l'Allemagne, mais en l'espace de 6 mois ou d'1 an de propagande bien menée, moi, je vous amène la France à vouloir faire la guerre à l'Allemagne et du côté de l'Allemagne, les Allemands à vouloir faire la guerre à la France. C'est très facile de changer un peuple. C'est très facile de manipuler une opinion. Hein, vous avez des démagogues en Bulgarie, vous en avez en Roumanie, vous en avez partout. Et vous savez très bien qu'il n'y a rien de plus simple. Vous avez une mécanique médiatique qui se met en marche et d'un seul coup, vous vous mettez à haïr votre voisin. C'est ce que m'a appris la vie, en tous les cas, c'est que l'homme n'est pas naturellement bon. L'homme est naturellement un sacré salopard. Et les États, c'est juste la somme de l'ensemble des salopards. Et moi, je trouve ça. Il ne faut pas perdre de vue cette idée-là. Donc, les valeurs de l'Europe, là-dedans, elles sont les valeurs de l'Europe tant que ce sont les valeurs de nos États. Parce que nos États ont décidé qu'on avait un certain nombre de valeurs qui sont posées dans nos constitutions. Mais nos valeurs, elles ont évolué dans le temps. L'égalité homme-femme, qui aujourd'hui, par exemple, est une valeur fondamentale de l'Union européenne, la France, jusqu'en 1967, par exemple, ne reconnaissait pas l'égalité homme-femme au niveau juridique. Une femme mariée n'avait pas droit à un compte bancaire, dépendait de son mari pour ses dépenses, etc. Jusqu'en 1967, c'est pas si vieux que ça. La France a reconnu le droit de vote des femmes, c'est un des derniers pays à le faire, en 1946. L'avortement, aujourd'hui, du droit des femmes à disposer de leur corps, c'est quelque chose de récent. Donc, les valeurs européennes, on a l'impression que c'est quelque chose d'immanent. Non, c'est quelque chose de contingent que nos États, petit à petit, ont accepté de défendre. C'est ça. Donc, moi, le débat sur les valeurs... Regardez, aujourd'hui, on voit l'émergence dans toute l'Union européenne et à nos portes de démocrature. Je ne sais pas comment on dit ça en bulgare. Des mélanges de démocratie et de dictature. Hein ? Orban, la Varsovie, la Pologne, la Tchéquie, la Slovaquie. Donc petit à petit, des gens qui décident que la démocratie, au fond, c'est un peu surestimé. Hein ? Comme on dirait, vous savez, c'est dans la série américaine qui s'appelle House of Cards. La démocratie is overestimated, comme ça. Mm-hmm. Donc c'est exactement ça. Et donc au fond, l'état de droit, l'économie de marché, après tout ça peut être remis en cause. Et donc on voit bien que ce qu'on croyait comme une victoire du bon sens au moment de la chute du communisme, que finalement on allait tous partager les mêmes valeurs, c'est plus si évident. Aujourd'hui en France, j'ai parlé de mon pays, aujourd'hui en France, il y a un sondage là, qui vient de sortir qui montre que une partie des Français
une majorité trouve qu'il y a trop de liberté en France. Oui, oui. Trop de liberté. C'est vrai. Les Français sont très contents de l'état d'urgence. Ils trouvent ça très bien que la police puisse débarquer à 3h du matin pour arrêter... Bon, ils pensent à un musulman, hein. Ils pensent pas à eux. Mais ils disent, c'est très bien qu'on puisse arrêter les musulmans au milieu de la nuit. Ils nous menacent. Voilà. Ça commence par les musulmans, puis après c'est les juifs, puis après les protestants, puis après c'est eux. Mais c'est pas grave. Ils trouvent ça très bien. Vous savez qu'en France, par exemple, on peut écouter jusqu'au 12e niveau, sans l'autorisation d'un juge, n'importe qui. 12e niveau. Le Patriot Act de George W. Bush, c'est jusqu'au 3e niveau. La loi, elle est passée comme ça. Elle a été votée par un parti socialiste, parti de gauche, qui soi-disant défend les libertés. Et tout ça est passé. Et partout, on assiste à une remise en cause des droits de la défense, des choses qui nous paraissaient fondamentales. La liberté de la presse, c'est la même chose. Les journalistes sont poursuivis. Vous savez que maintenant, en France et en Belgique, les avocats peuvent être perquisitionnés. Et on peut donc saisir leur matériel. Il n'y a plus de privilège entre l'avocat et son client. Tout ça au nom de la lutte contre le terrorisme. Donc petit à petit, toutes ces valeurs sont en train de disparaître sous nos yeux. Parce qu'on les a considérés, effectivement, comme étant... Et les valeurs, demain, je vous parie, au rythme où nous sommes partis, que dans 10 ans, nos valeurs partagées, ça sera justement les valeurs d'autoritarisme. Vous allez voir. Ça, on connaît déjà. Nous, les Bulgares, on connaît ça. Donc, j'insiste. Mon point, c'est encore une fois que l'Europe, c'est pas quelque chose qui a été donné par Dieu, c'est pas quelque chose qui est immanent, c'est une construction étatique voulu par les États, qui se maintiendra tant que les États y trouveront leur intérêt. Le jour où ils n'y trouveront plus leur intérêt, je peux vous assurer que ça disparaîtra en l'espace de quelques secondes. Parce que pour l'instant, ce n'est pas une construction voulue par les peuples, il n'y a pas de mouvement populaire soutenant l'Europe, et donc elle peut disparaître du jour au lendemain. Il faut en avoir conscience. Et donc on est des enfants gâtés, on ne se rend pas compte de ce qu'on a. Le jour où ça va disparaître, là on va se rendre compte. Da, glazene deca li sme naistina. Глезени деца ли сме наистина в този смисъл? Не, картината, която Жан Катхамер... Картината, която описа Жан Катхамер... Donc le tableau qui a été brossé par Jean Quatremer, oui, effectivement, est vrai, en fait. Effectivement, il s'exprime un petit peu comme un neurosceptique. En fait, pour moi, donc, le problème, quand on parle de valeurs, c'est qu'il y a toujours, effectivement, il y a cette once de dépression, quoi. C'est très dépressif, tout ça. Déprimant, pardon. Oui, mais lorsqu'on était jeune, lorsqu'on était étudiant, nous avions d'autres valeurs avec vous. Oui, mais ce sont des valeurs qui évoluent, effectivement. Mais en tout cas, la valeur, qu'est-ce qu'elle signifie ? Et finalement, et là, je vous présente mes excuses. Voilà, je présente mes excuses aux philosophes. Mais ça veut dire finalement, ça veut dire que c'est l'objectif que l'on se fixe, effectivement la satisfaction que l'on a d'atteindre cet objectif. Donc effectivement, on peut voir la valeur sous cet angle-là. À partir de là, qu'est-ce que le bien, qu'est-ce que le mal, pourquoi on fait un certain nombre de choses dans la vie? Évidemment, c'est toujours une question très déprimante, parce qu'effectivement, il faut effectivement voir de plus près la nature humaine. Et effectivement, il y a lieu un petit peu de voir quelle est la nature des États quand on parle de l'Europe. Pourquoi ? Parce que je ne vois pas ce qui représente pour moi un énorme problème aujourd'hui. Et donc, effectivement, le problème auquel on se heurte lors de la discussion actuelle sur l'Union européenne. En fait, nous n'arrivons pas à identifier notre objectif. Les choses évoluent, effectivement. Mais elles évoluent tout simplement parce qu'il y a des processus effectivement qui émergent, qui se développent au sein des États. En ce qui concerne donc l'Union européenne, là, il y a des processus administratifs qui sont en cours. Les politiques ne sont pas d'ordre public. Donc en fait, il y a aussi une évolution des intérêts politiques, c'est quelque chose qui n'est pas public. En fait, tout se retrouve dans le cadre étroit des traités. D'une part, je suis d'accord que l'Europe, c'est le projet d'États qui veulent effectivement s'allier. Mais effectivement, c'est un projet qui, après le rejet de la Constitution européenne, s'est transformé effectivement en tout simplement en contrat entre les pays. En même temps, donc, le traité de Lisbonne a tout simplement essayé de manipuler, de profiter de cette situation. Et donc, en fait, ce que l'on a mis dans ce traité, c'est un certain nombre, effectivement, de principes de cette constitution qui a été rejetée.
Mais donc, en fait, il ne s'agit plus d'envisager l'ensemble, donc le système politique en tant que tout, mais c'est plutôt, il s'agit d'envisager des relations entre les pays, entre les États. Et c'est là où nous avons ce gros problème au niveau des valeurs. Pourquoi effectivement notre évaluation de ce qu'est le bien et le mal, pourquoi ça fonctionne beaucoup mieux, y compris l'évaluation qui est faite par les États. Parce que les hommes politiques, eux aussi, ce sont des personnes vivantes et effectivement se laissent facilement manipuler. Pourquoi ça fonctionne mieux ? Tout simplement parce que au niveau national, vous pouvez effectivement mettre en place ces images, donc cette image de l'Europe qui est méchante, voilà. Et tout ce que M. Quatremer a réussi effectivement donc de systématiser dans son ouvrage. Mais pourquoi ? Parce qu'en fait, ça donne la possibilité à l'intérieur des différents États, tous ces problèmes effectivement de séparation, d'opposition. Bon, vous avez par exemple en Bulgarie, celui-ci qui se sent pauvre, puis celui-ci qui se sent malheureux, etc. En fait, nous sommes très malheureux parce que nous sommes masochistes. Donc, en fait, effectivement, comment nous sentir effectivement dans une communauté et comment nous sentir meilleurs à nos propres yeux, parce qu'en fait, c'est ça les fonctions principales de l'ennemi. Donc, en fait, on met en place l'ennemi tout simplement parce que c'est plus facile de prouver non seulement que l'on est bon, que l'on est motivé, que l'on a quelque chose à faire, que l'on a un objectif. Il ne s'agit pas seulement de s'allier aux autres, mais en fait, on essaye de faire les choses à travers ces images parce que c'est tout simplement plus facile. Et donc, en fait, il y a deux façons de faire les choses en Europe. L'une de ces façons, c'est tout simplement donc, de créer des valeurs à travers la mise en place donc, de l'ennemi ou des ennemis. Et il faudra se poser la question de savoir quelles sont les menaces pour l'Europe. Est-ce que nous avons un ennemi commun ? Parce qu'en fait, si nous n'arrivons pas effectivement à positionner l'Europe par rapport aux autres donc, entités importantes au niveau international, donc nous n'aurons pas la possibilité effectivement de mettre en place, de créer des valeurs, donc de construire des valeurs. Parce que l'autre manière de faire, c'est effectivement l'évolution de la conscience. Et ça, c'est pas très efficace. Voilà, et on ne travaille même pas sur l'évolution de la conscience. Et c'est vrai, lorsque l'on a un ennemi commun, ça permet de consolider effectivement ça. Mais pour la première fois, l'Europe se retrouve dans une situation, en tout cas maintenant, situation dans laquelle l'Europe ne dispose pas d'ennemis qui lui permettent de se consolider, mais n'a pas non plus d'alliés. Parce que vous avez la Russie de Poutine et vous avez donc l'Amérique de Trump, ce ne sont pas des alliés. Mais l'Europe n'a pas de vision claire sur ses frontières, sur sa périphérie, sur ses voisins. Regardez un petit peu de quelle manière elle se positionne par rapport à la Turquie. L'Europe n'a pas de vision ni en ce qui concerne la Russie, ni en ce qui concerne la situation en Syrie. Quelle est la vision européenne globale ? Il y a toujours quelqu'un qui est contre. Qui fait quelque chose de différent. Voilà, les Européens commencent de plus en plus à ressembler à des Bulgares. Donc, ils nous ont beaucoup copiés, les Européens, ces derniers temps. Tony. Oui, nous sommes effectivement très sceptiques, là. Alors, écoute, si tu es optimiste, je vais ouvrir ta bouteille d'eau. Il faut qu'on se pose la question de savoir si donc cette image de l'ennemi, cette image nécessaire de l'ennemi, en fait, ne nous permet pas effectivement de retrouver la solution, de trouver la solution du problème. Donc vous avez une espèce d'étau. Effectivement, vous avez la Russie qui n'a pas ses tanks pour l'instant, mais par contre, elle a le contrôle du robinet énergétique. Voilà. Voilà. Et puis vous avez également cette menace de ne pas pouvoir régler le problème dans le Proche-Orient. Donc en fait, effectivement, si c'est la bonne comparaison à faire, eh bien c'est quelque chose que l'on a pu voir effectivement à la fin de la Deuxième Guerre mondiale. C'est à peu près les mêmes menaces. Je ne dis pas que ce serait une source d'optimisme. C'était pas le cas non plus à l'époque, mais à cette époque-là, les gens effectivement y réfléchissaient beaucoup plus à la nécessité donc de créer cette Europe. On pensait beaucoup moins aux égoïsmes nationaux. Et donc l'exemple qui a été donné par Jean Quatremer est très important. Oui, c'est très facile de retrouver à l'intérieur donc de la communauté l'ennemi.
Mais tant que l'on a effectivement ces deux contrepoints qui viennent donc de l'extérieur, je pense que l'Europe est un projet viable. Sinon, il va y avoir l'explosion donc des égoïsmes nationaux qui vont se démultiplier. Et à ce moment-là, on aura donc effectivement une confrontation entre les différents pays européens. Et ça pourrait se faire ici également au sein du noyau franco-allemand. Donc effectivement, il y a une grande inconnue, effectivement, parce qu'on ne sait même pas ce qui va se passer dimanche en France. Et attendons aussi le deuxième tour. Mais les propos de Jean Quatremer sur effectivement cette facilité tout simplement à enflammer donc les hostilités franco-allemandes. J'ai une expérience à Paris dans les années 90. Je crois que c'était au mois d'octobre ou au mois de novembre. C'est une date qui est facile à vérifier. Et à ce moment-là, j'ai pu observer donc une famille française. Cette famille marchait sur le boulevard Port-Royal, c'est l'hôpital Cochin. Et donc, on voit le père, la mère, les enfants, les grands-parents, etc. Et donc, en fait, ils avaient des bouquets avec donc des rubans tricolores. Et donc, effectivement, ils déposaient ça par terre. Et donc là, je me suis posé la question de savoir ce qu'ils célèbrent. Donc, je me suis tenue à distance. Effectivement, je me suis approchée effectivement d'une plaque. Et donc là, qu'est-ce que j'ai pu effectivement lire? C'est que la grosse Bertha, en fait, avait réussi à démolir donc la maternité. Et imaginez combien de temps après la Deuxième Guerre mondiale. Mais le traumatisme, il est toujours là. Donc, en fait, ce sont des blessures qui ne se referment pas. Oui, effectivement, la grosse Bertha, c'est la Première Guerre mondiale. Effectivement, ce sont des blessures qui datent de la Première Guerre mondiale. Alors comment effectivement soigner les traumatismes de la Deuxième Guerre mondiale? Effectivement, il y avait une réunion sur l'acier et le charbon, et donc il y avait une commissaire française qui a commencé à intervenir dans les négociations. Et Jean Monnet, il est allé la chercher dans son bureau. Et cette dame, elle a dit: mais comment voulez-vous que je négocie avec les Allemands? Ils ont tué mon fils. Effectivement, il faut aller jusqu'au bout. Là où le pire pourrait arriver, et c'est là où il y a une idée qui pourrait émerger. Donc effectivement, il y a une idée de l'Europe qui est beaucoup plus importante que cette combinaison purement mécanique entre donc les différents traités d'alliance. Tout à l'heure, on expliquait donc l'émergence très lente donc de l'idée dès le Moyen-Âge. Voilà. Mais les nationalistes qui voudraient donc effectivement expliquer à quel point les nationalismes sont anciens. Mais finalement, qu'est-ce qui compte? Ce sont les identités locales. Une personne qui effectivement se voit liée, je ne sais pas moi, à Reims, à Paris, à Bruxelles, à Madrid. Donc chacun est de quelque part. Voilà. Ça, c'est ce qui est beaucoup plus ancien. Alors que qu'est-ce que nous essayons d'avoir actuellement maintenant? C'est effectivement de prendre donc les idées du romantisme. Mais en fait, ces idées romantiques, effectivement, elles ont quand même débouché sur deux conflits sanglants. Donc effectivement, cette mécanique, elle existera toujours. Personnellement, je ne vois pas d'autres issues, d'autres solutions. Peut-être autre chose à rajouter, voilà. Et autre chose à rajouter, en fait, ce que la plupart des Bulgares qui sont ici aimeraient effectivement entendre, c'est effectivement quelques compléments sur cette fameuse Europe à deux vitesses. Voilà. Oui, avant de parler de l'Europe à deux vitesses, je reviens sur cette opposition permanente entre l'État et Bruxelles. Donc, comme je l'ai dit, l'Europe, ce sont les États. Mais les États maintenant, donc au début de la construction communautaire, véhiculait une image extrêmement positive de l'Europe. C'est-à-dire l'Europe, c'était le moyen de régler nos conflits pacifiquement. Mmh. Aujourd'hui, ils se servent de l'Europe depuis une vingtaine d'années de façon totalement différente. C'est dû à un changement de génération, mais aussi à la médiocrité générale de nos politiciens nationaux. Parce qu'ils ont compris très rapidement que Bruxelles, en fait, c'était très pratique. Parce que ça leur permettait de se rendre totalement irresponsable de ce qui n'allait pas. Le politicien
a tendance à, même le fait en permanence, à communautariser les échecs nationaux et à nationaliser les succès européens. En clair, tout ce qui ne va pas, c'est Bruxelles, mais tout ce qui va bien, c'est moi. C'est l'État, c'est la nation qui va bien. Qui n'a pas entendu un Premier ministre, un chef d'État, un ministre, rentrer d'une réunion à Bruxelles en disant « Bon, écoutez, ça va mal, on va être obligé d'appliquer telle ou telle décision, mais c'est pas moi qui l'ai décidé. Moi, si j'étais seul, sans Bruxelles, comme si Bruxelles, c'était quelque chose d'immanent. C'est quoi ce bruit ?» Je sais pas, là. Voilà, que je suis en train de Quelque chose d'immanent. En réalité, ça permet toutes les décisions qui sont prises sont évidemment le fait des États membres. C'est eux qui décident. Ouais. Et donc, c'est très facile pour eux de se servir de Bruxelles comme d'une boîte à déresponsabiliser les États. C'est à ça que ça sert. Pourquoi ils ne veulent pas davantage de démocratie à Bruxelles ? Pourquoi, par exemple, les États, la France en particulier, parce que la France a une responsabilité dans la construction, dans la façon dont l'Europe fonctionne, qui est fondamentale. Pourquoi la France refuse un Parlement de la zone euro ? Mais parce qu'on trouve ça très pratique que la zone euro soit gérée par les ministres des Finances qui siègent à huis clos, derrière des portes fermées, et qui décident pour l'ensemble de la zone euro. Et après, regardez comment on a géré la crise grecque. Vous avez évoqué la Grèce. La Grèce, on lui a imposé des traitements absolument incroyables sans qu'aucun Parlement n'en discute. Aucun Parlement. Je veux dire, c'est un truc de dingue. C'est comme une dictature qu'on a imposée à la Grèce. La Grèce a le sort qu'elle mérite. Elle a fait faillite, elle a fait la fête pendant 10 ans. Je ne vais pas plaindre la Grèce. Je veux dire, ils ont cherché... Mais je veux dire que... D'accord, ils ont fait faillite. Très bien. Mais à partir de là, au moins les traitements... Que les traitements, non, je veux dire, il faut quand même être sérieux. Les Grecs, pendant 10 ans, ont dépensé sans compter, sans se poser la question. C'était un État qui était clientéliste, corrompu, ça je peux le dire. Je l'ai dit en Grèce, je l'ai dit devant le gouvernement grec, qui est un État vraiment qui a connu le sort qu'il méritait. Mais est-ce qu'il méritait un tel traitement ensuite ? Est-ce que c'était à des ministres des Finances de décider en secret de la façon dont la Grèce allait sortir de son problème ? Est-ce qu'il y a un Parlement européen qui a discuté des traitements qui ont été infligés à la Grèce ? Jamais. On lui a dit à la Grèce, vous allez subir ce traitement et il n'y a pas de discussion possible. Je suis désolé, imaginez une seconde qu'on ait voulu infliger ce traitement à la France. Mais la France, elle aurait déclaré la guerre au reste de l'Europe. On l'a fait à la Grèce, parce que la Grèce, c'est 10 millions de personnes. Au bout de l'Europe, on s'en fout un peu. Mais la France, c'est inimaginable. L'Allemagne, c'est inimaginable. Un jour, je me rappelle un jour, en 2004, le ministre des Finances allemand, qui s'appelait, c'était le successeur de Theo Weigel, c'était... j'ai oublié son nom. Enfin bref, aucune importance. C'est un ministre allemand. Donc très sévère. Et c'était le moment où l'Allemagne viole le pacte de stabilité. Donc, brutalement, les Allemands vont faire un déficit de plus de 3%. Alors, et les Allemands hurlent en disant « Mais il n'est pas question, vous n'allez pas nous sanctionner parce qu'on a violé le pacte de stabilité. » Et alors, moi j'étais dans la conférence de presse. Il y a un journaliste britannique qui pose la question en disant « Mais vous avez violé le pacte de stabilité, donc vous devez être sanctionné. » Et alors là, le ministre allemand qui dit « Mais le pacte de stabilité n'a pas été conçu pour s'appliquer à l'Allemagne. » Tous les journalistes qui étaient là disent « Ah !» C'était franc. Et donc, c'est pas possible que ça fonctionne de cette façon-là. Donc, il faut évidemment de la démocratie. Parce que pourquoi il faut de la démocratie ? C'est pour contrôler les États. Parce que les États, ils adorent la façon dont l'Europe fonctionne, opaque, ne devant de rendre compte à personne. Mais l'Europe, elle ne changera jamais toute seule. Vous croyez qu'un État, il va mettre de la démocratie pour le plaisir de mettre de la démocratie ? Vous croyez qu'un État, un gouvernement, accepte une commission d'enquête sur ce qu'il a fait, sur la corruption, etc. ? Non, il faut que les peuples s'en emparent. Donc si l'Europe ne fonctionne pas, mesdames et messieurs de Bulgarie, vous êtes responsables parce que vous ne vous y intéressez pas. Vous avez un gouvernement corrompu, c'est parce que vous l'avez élu. Vous avez une Europe dysfonctionnelle, c'est parce que vous vous en accommodez.
ça, l'Europe, le dysfonctionnement de l'Europe, c'est le reflet des dysfonctionnements nationaux. Mm. Bruxelles, c'est la caverne de Platon. Mm. Voilà, d'accord. Rien d'autre. C'est la caverne de Platon. Donc, tous autant que nous sommes responsables à la fois des gens que nous élisons et qui sont soit incompétents, soit corrompus, dans le meilleur des cas. Parfois, on élit, parfois, par hasard, des gens brillants. Madame elle était élue, hein. Oui, parfois, voilà, voilà. Parfois, nous élisons des gens compétents, parfois, par hasard. Parfois, pas. Mais ça, c'est un hasard. Et l'Europe qu'on a, c'est notre Europe. C'est-à-dire que tout ce qui ne va pas dans nos démocraties et dans l'Europe, c'est parce que nous, en tant que citoyens, nous l'acceptons. Et ça, c'est un discours que je refuse, que je déteste chez les eurosceptiques et les europhobes, c'est le « eux » et « nous ». Il y a une élite et il y a le peuple. Mais nom de Dieu, je suis le peuple. L'ambassadeur est le peuple. Les gouvernements sont le peuple. On est le peuple, globalement. Nos représentants sont à notre image. Il n'y a pas « eux » et « nous ». C'est « nous ». C'est le « nous » inclusif. Et pas « eux » exclusif. Ouais. Ah. C'est dur, hein, c'est dur. Alors, je ne peux que effectivement, je ne peux que partager ce point de vue selon lequel les dysfonctionnements, effectivement, en Europe, c'est le reflet de ce qui se passe au niveau national. Et là, effectivement, je vais essayer de revenir au débat précédent. Donc, effectivement, c'était sur la politique de marché commune. Et finalement, pourquoi il y a des dysfonctionnements ? Moi, en tant que personne qui ne comprend rien à l'économie, bon, j'ai assisté à ce débat, j'ai essayé effectivement de comprendre un petit peu mieux les problèmes de l'économie. Et je pose donc la question à un économiste à côté de moi. D'accord, nous avons un marché commun. Et étant donné que c'est notre acquis principal, voilà, ça c'est l'acquis principal de l'Europe, c'est peut-être pas le marché le plus important, c'est le deuxième marché, mais c'est le marché dont le pouvoir d'achat est le plus important. Et si effectivement il y a une personne qui s'intéresserait quelque part dans le monde à l'Europe, c'est effectivement en raison de l'existence de cet énorme marché sur lequel il pourrait effectivement donc être présent et faire des bénéfices. Et moi, je pose la question suivante. Nous avons ce marché commun, mais en fait, ce marché ne profite pas à chacun des pays et des États, parce que chacun, en fait, négocie sur le marché national. Donc, effectivement, en Bulgarie, j'achète donc les baskets chinoises pour 20 levas, c'est-à-dire 10 euros, alors que lorsque je vais en Suisse, je les achète pour 3 francs. Pourquoi ? Parce que le marché suisse, le marché français est plus important, plus solvable, tandis que chez nous, voilà, nous, c'est 500 000 de pouvoir d'achat. Et pourquoi ici, tout est beaucoup plus cher ? Mais parce qu'on est un marché moins important. Mais d'accord, on est un marché commun. Qu'est-ce qui empêche effectivement de négocier des prix communs pour le marché commun ? Voilà, et donc on pourrait effectivement négocier des prix de base. Non, il n'y avait pas de réponse de la part de l'économiste, des économistes. Donc, d'autre part, lorsqu'il est question effectivement de nous aligner en termes de niveau de vie, donc il y a des milliards effectivement qui sont déversés pour cela. Effectivement, le niveau de vie n'est toujours pas le même. Déjà avec la première vague de nouveaux pays membres. Et ce sont des sommes colossales. Et les Britanniques, ils ont dit « Oui, nous avons effectivement déversé des sommes colossales. » Mais effectivement, l'Europe, c'est quand même c'est un ensemble d'enfants cadets. Bah oui, mais là, le niveau de vie, c'est un problème local. Oui, mais à propos de cette même discussion sur les marchés, on a posé la question de savoir ce que c'est exactement le protectionnisme. Et tout à coup, les économistes disent que lorsqu'une économie a besoin donc d'un développement rapide, en Allemagne, en Grande-Bretagne, en France, donc effectivement, on a cité des exemples d'années et d'années de protectionnisme pour que les économies nationales puissent se développer. Et là encore, je pose une question vraisemblablement stupide à l'économiste à côté de moi.
Mais maintenant que la Bulgarie fait partie de l'Union européenne, avant même qu'elle développe son économie, est-ce qu'on aura droit effectivement à notre protectionnisme en vue de stabiliser notre propre production, notre propre économie, pour qu'on puisse s'aligner sur l'Europe? Non, on nous a dit, non, vous allez payer le prix de l'économie pas suffisamment développée, et vous rentrez effectivement dans une communauté qui nie tout protectionnisme. Effectivement, ça tue l'économie bulgare. Et là, je pose encore la question. S'il faut parler effectivement des idées en Europe, de l'évolution des idées en Europe, quand effectivement on se dit que ce serait utile pour tout le monde, sans effectivement imposer des contraintes, comme dans les exemples sur le marché commun et sur le développement des économies, dans ce contexte-là, comment pourrait effectivement fonctionner les choses en Europe? Bon, je connais bien la Grèce dont il était question donc tout à l'heure. J'ai été témoin, de la destruction de milliers de tonnes de production grecque. Parce qu'effectivement, on n'a pas besoin de cette production grecque. Alors, par exemple, je ne sais pas, vous prenez les pastèques ou je ne sais pas les oranges qui sont tout simplement détruites. Au lieu de les distribuer gratuitement, c'est quelque chose qu'on ne peut pas le faire parce qu'il y a effectivement le contingent qui est imposé, en fait un quota d'achat de jus au Danemark. Voilà. Mais comment voulez-vous effectivement que l'on développe des valeurs communes si nous continuons de cette manière-là, sans tenir compte effectivement de ce qui existe et des possibilités, des capacités existantes, sans donner effectivement la possibilité aux individus, aux propriétaires, donc aux hommes d'affaires, sans leur donner la possibilité de développer. Comment voulez-vous que l'on continue et qu'on aille de l'avant? Parce que pour moi, le plus gros problème de cette administration, oui, on dit toujours, et là, effectivement, les hommes politiques bulgares, ils sont indépassables. Donc en fait, la seule chose, selon eux, la seule chose que Bruxelles, effectivement, ne leur permet pas, c'est de faire ce qu'ils veulent ici. Comment voulez-vous que l'on parle d'un développement communautaire si on ne se rend pas compte du fait que l'Europe est la possibilité effectivement de se retrouver sur l'autoroute, de quitter la départementale couverte de trous et effectivement de se retrouver sur l'autoroute. Mais lorsqu'effectivement on va sur cette route, vous ne pouvez pas être uniquement sur la voie de secours. Il faut que quelqu'un vous donne la possibilité de vous retrouver dans les autres voies de l'autoroute. Et il faut qu'on vous donne cette possibilité-là en tant que conducteur, en tant que personne qui a pu acheter une voiture normale. Mais quelque chose qui a très rapidement évolué en Bulgarie, c'était à peu près après 2007, c'est-à-dire l'année de notre adhésion à l'Union européenne. En fait, ce qui s'est calmé un petit peu, c'est effectivement ce euro-optimisme fou. Et à ce moment-là, effectivement, je me suis posé la question de savoir quel serait donc le niveau qu'atteindrait donc le réalisme. À cette époque-là, j'étais à RFI. Voilà, et donc en fait, effectivement, on parlait avec les auditeurs de la vie telle qu'il se la représentait au sein de l'Union, de l'Europe unie. Et donc en fait, il y avait un sentiment global, qu'on disait, c'est nous ne voulons pas que nos hommes politiques bulgares nous gouvernent, nous souhaiterions être gouvernés directement par Bruxelles. Voilà, c'était à 65%, à 70%. Puis il y avait des auditeurs qui nous téléphonaient, qui disaient « Je ne veux pas de notre police, je veux que la gendarmerie française débarque à Varna et qu'elles arrêtent, par exemple. » Ou « J'aimerais des magistrats hollandais, par exemple. » Mais qu'on ne voit pas de magistrats bulgares, pas de procureurs bulgares, pas de policiers bulgares. Vous voyez un peu ? Ouais, c'est quelque chose qui, effectivement, était très choquant.
Et effectivement, mon collègue Svetoslav Terzieev, il l'avait dit à Étienne de Poncins, donc à l'un des ambassadeurs précédents. Et donc, ce monsieur, il a dit, ah, la France, elle ne peut pas donc intervenir dans tout ça. Mais effectivement, c'était effectivement quelque chose de très intéressant qui a été... un cas très intéressant qui a été traité par l'ambassade de France, c'était donc effectivement le cas de cet étudiant bulgare qui avait été tué à Paris. Effectivement. Et donc il y a eu un certain nombre de preuves qui ont été rassemblées par la police judiciaire. Des preuves qui ont été rassemblées par la PJ et qui ont été présentées au tribunal bulgare qui les ont tout simplement rejetées. Voilà. Et à ce moment-là, donc l'ambassadeur de France, il a été obligé effectivement de revenir sans cesse donc à ce procès, parce qu'effectivement, à ce moment-là, il n'y avait pas de justice, voilà. Donc en fait, il y avait des preuves qui disparaissaient. Par exemple, la chemise de la victime s'était retrouvée effectivement dans le coffre-fort du procureur bulgare. Effectivement, l'ambassadeur français à cette époque-là, à Tournouveau, il avait dit « ça, c'est pas de la justice ». Oui, oui, de temps en temps, les ambassadeurs français avaient effectivement une position assez adéquate. Effectivement, l'ambassadeur à cette époque-là, il a dit « la France, elle n'a absolument aucun intérêt ». Oui, il y a un Bulgare qui a été tué à Paris, où est l'intérêt de la France ? Voilà. Et il a fallu que le frère de la victime, effectivement, intervienne dans les médias français pour dire « Mon frère, il a eu la chance de se faire tuer à Paris. » Parce que s'il s'était fait tuer en Bulgarie, eh bien, effectivement, on aurait tout passé sous silence. Mais effectivement, s'il y a une crise du scepticisme en Bulgarie, c'est tout simplement parce que Bruxelles continue à ne pas intervenir suffisamment. Mais est-ce que ça pourrait être pire d'ailleurs ? Donc si Bruxelles intervient, c'est pas bien. Si Bruxelles n'intervient pas, c'est pas bien. Voilà. C'est amusant ce que tu viens de raconter, parce qu'en Grèce par exemple, moi j'ai quand même passé énormément de temps en Grèce, et quand on parlait avec les Grecs disaient le problème de vos solutions, c'est qu'il faudrait pour qu'elles soient appliquées, que ça soit appliqué par une administration européenne. D'ailleurs, il faut virer tous les politiciens grecs, toute l'administration grecque est incompétente globalement et corrompue, et à la place, on met des Européens et vous gérez directement le pays, vous le réformez. Je vais vous donner un exemple de ce qui ne fonctionne pas en Grèce, quand même extraordinaire. En 2011, le ministre des Finances de l'époque, Georgios Papakonstantinou, me dit, c'est un copain, me dit « Regarde la loi que je viens d'adopter ». Il y a 750 professions protégées qui sont ouvertes ou 750, je ne sais plus combien de chiffres, hein, mais enfin beaucoup, les professeurs de danse, les guides touristiques, etc., qu'on a ouvert à la concurrence. Le premier mémorandum grec, c'était une ligne. C'est « il faut ouvrir à la concurrence toutes les professions protégées ». Il dit « regarde, j'ai fait une loi transversale, cette fois-ci, tout va être ouvert à la concurrence ». On est en 2017, ce n'est toujours pas ouvert à la concurrence. Maintenant, vous regardez les mémorandums qui sont destinés à la Grèce. L'ouverture à la concurrence, c'est quasiment 5 pages où on cite chaque décret, chaque circulaire, etc., parce qu'on s'est aperçu. En France, on a un principe de hiérarchie des droits qui est tout simple. La loi change, toutes les lois antérieures, toutes les décrets, les circulaires d'application tombent, tout disparaît. En Grèce, pas. Il faut les abroger un par un. Il faut trouver. Donc, on trouve dans un tiroir, etc. Donc, en 2017, moi, j'ai un copain grec qui veut devenir guide touristique. La profession, elle est toujours aussi fermée qu'il y a 40 ans. Il n'arrive pas à devenir guide touristique. C'est un truc de dingue. Donc, on ne crée pas d'emploi. Et quand je dis ça aux Grecs, eh bien, par exemple, j'ai un autre ami grec qui tient un café derrière la place Syndagma. Il a mis 2 ans pour ouvrir son café. 2 emplois. Tout petit café, du café biologique, je ne sais pas quoi, etc. Hyper fort, oula. Et donc, il a mis 2 ans. Et je lui ai dit, mais comment ça se fait que tu as mis 2 ans ? Il dit, mais parce que les mecs me faisaient comprendre que pour avoir les autorisations, il fallait que je paye le fakelaki, c'est-à-dire le bakchiche. Ah, c'est ça la réalité. Ça n'a pas changé. Ça n'a pas changé. Et les Grecs nous disent, mais ça ne changera jamais avec les gens qu'on a. Donc vous avez raison, mais si jamais, imaginez demain, on envoie une administration européenne remplacer l'administration grecque. Allez, dehors tout le monde. Et hop,
on met un préfet français à la tête de la Grèce. Qu'est-ce qui va se passer? Vous allez avoir des nationalistes grecs qui vont sortir en disant « Ouais, c'est notre indépendance, on a le droit d'être pourri. » Hein, oui. C'est pas possible. Vous voyez, donc oui. Le problème, où je veux en venir, c'est que l'Europe, elle est compétente dans des domaines où elle ne devrait pas être compétente, et elle n'est pas compétente dans les domaines où elle devrait être compétente. Mmh. Je veux dire qu'un État fédéral fonctionnel, c'est... On va prendre l'Amérique, allez. Moi, j'adore les États-Unis d'Amérique. Moi, je suis pour un Français, moi, je suis totalement pro-américain, mais anti-Donald Trump, évidemment, parce que je suis un être normal. Bon. Mais je suis pro-américain. Voilà. Eh bien, ce serait quoi les États-Unis d'Amérique en Europe? Un président élu... Hein, au suffrage universel, un congrès élu au suffrage universel. Aujourd'hui, l'équivalent du président américain, c'est le Conseil européen des chefs d'État et de gouvernement. C'est-à-dire des 28 chefs d'État et de gouvernement qui décident. C'est comme si le président des États-Unis, c'était les 50 gouverneurs qui se réunissaient 4 fois par an pour décider à l'unanimité. Ça serait puissant, l'Amérique, hein, si ça fonctionnait comme ça. Ça serait très puissant. Et l'Amérique, c'est quoi? C'est les compétences. Il y a 10 ou 15 compétences, je crois, fédérales, la défense, le contrôle des frontières extérieures, la sécurité sociale, enfin le filet minimum, donc, etc., de sécurité sociale, etc. Mais les crimes fédéraux, etc. Mais on ne s'occupe pas du reste. On ne s'occupe pas des questions, par exemple. Voilà. Pour ouvrir une banque aux États-Unis, vous voulez ouvrir une banque, vous êtes bulgare, vous dites, je vais créer une banque. Il vous faut l'autorisation de 50 États américains pour ouvrir des succursales dans les 50 banques. En Europe, il vous faut une autorisation. Pourquoi on fait pas comme eux pour emmerder les Américains? On fait 28 autorisations. Voilà. Et puis nous, on s'occupe de la défense. On fait une industrie de la défense, etc. Mais ça, les États n'en veulent pas. Ça, parce qu'ils ne veulent pas renoncer à leur petite armée. Ils ne veulent pas renoncer à leur petite police. Ils ne veulent pas renoncer à leur petite garde-frontière. C'est ça la réalité. Et comme ça permet de dire que Bruxelles est responsable de ce qui ne va pas. Donc le problème fondamental, c'est que l'Europe, elle est que par-dessus tête, on dit en français l'expression, je ne sais pas si ça existe en bulgare, que par-dessus tête. C'est-à-dire qu'elle s'occupe de choses peu importantes, mais qui agacent souvent les citoyens. Pourquoi l'Europe, elle vient dire que de quelle façon je dois manger ma viande? Pourquoi la viande? Si vous avez envie de conserver votre viande de façon pourrie ou de manger de la merde, c'est votre problème. Je veux dire, moi, que les Bulgares ont envie de manger de la merde, c'est pas mon problème de français, c'est votre problème à vous. Pourquoi est-ce qu'on fait des normes? Pourquoi les paquets de cigarettes en Bulgarie, ils doivent avoir des gens en train de mourir du cancer? C'est votre problème. Si vous voulez fumer et avoir le cancer et qu'on voit pas ça sur les paquets, je vois pas pourquoi l'Europe se mêle de ça. En revanche, j'aimerais bien que l'Europe, elle contrôle votre frontière avec la Turquie. Ça, oui. D'ailleurs, c'est le moment que vous pouvez d'ailleurs poser des questions parce que, effectivement, nous pouvons continuer comme ça à l'infini et à la limite, on pourrait même oublier votre présence ici dans la salle. Surtout, effectivement, cette représentation très artistique de Jean Quatremer. Voilà. Mais là, je vais juste donc donner un autre exemple à l'appui. Au moment où, en Bulgarie, effectivement, on a imposé donc les compteurs dans les taxis. Et effectivement, moi, je vais à l'université, je vais à Bruxelles et donc à l'université. Et là, on me dit, nous avons besoin donc d'une facture, d'un récépissé de taxi pour que ce soit remboursé. Et donc, je vais à Bruxelles, je lui dis, est-ce que vous pouvez me donner un récépissé, s'il vous plaît? Et donc, effectivement, le chauffeur de taxi, effectivement, il me sort effectivement une liasse un peu déchirée. Et donc, effectivement, il remplit un récépissé et signe. Mais à ce moment-là, en Bulgarie, non seulement tous les chauffeurs de taxi devaient effectivement installer des compteurs. Non seulement tous les 2 ans, il y avait un changement de logiciel et je ne sais plus quoi il y avait sur le plan fiscal. Mais de surcroît, je ne sais pas si vous êtes au courant, parce qu'il était question d'un café tout à l'heure, pour que vous puissiez, par exemple, ouvrir un restaurant. Vous devez effectivement avoir donc une planche sur laquelle... une planche jaune pour le fromage, pour couper le fromage, une planche rouge pour le viande. Des planches qui ne sont fabriquées qu'en Italie, sinon vous serez sanctionné. Voilà.
Effectivement, si vous avez des sanctions, vous avez la corruption, et puis ensuite il va y avoir une stratégie contre la de lutte contre la corruption, et puis ensuite on sera sanctionné par l'Europe. Vous voyez un petit peu le film. Effectivement, tout ce que nous avons entendu là, effectivement, nous fait penser à un certain nombre de choses. Et en fait, il y a un jeune monsieur ici qui vit à Londres, selon lequel moins l'État est présent, mieux c'est. Manifestement, on va dans ce sens-là. Mais le problème, c'est que là, l'État et Bruxelles sont emmêlés. En fait, l'État et le Bruxelles, il faut qu'ils soient là où est leur place et ne pas intervenir là où il n'y a pas lieu d'intervenir. Oui, mais ça, qui c'est qui le décide? Qui c'est qui le gère? Ben oui, ça, c'est le système fédéral des États-Unis. Bruxelles doit s'occuper de tout ce qui est de caractère global, général, ce qui est important. À partir de là, Bruxelles n'a pas à se prononcer sur l'organisation du quotidien dans les pays. Par exemple, c'est comme s'il fallait enlever le port à Wigny-l'Ourson. Par exemple, si on prend Tom Sawyer, effectivement, enlever donc les Afro-Américains. Donc lorsque on enlève effectivement des choses, évidemment, c'est une technique de propagande très ancienne qui date de l'ancienne Chine, voilà. Vous savez que là, en Chine, toute la dynastie, elle fait table rase et elle commence. Donc, elle recommence à zéro. Donc, effectivement, c'est une possibilité de virer la réalité de la conscience. Mais dans le monde actuel, effectivement, cette réalité, on la repousse. Non parce qu'on enlève tel ou tel mot, mais tout simplement parce que quelqu'un va utiliser donc une quantité invraisemblable de mots stupides qui lui permettrait effectivement de mettre la croix sur des univers entiers. Et lorsqu'effectivement nous essayons de virer toute cette réalité, je me rends compte qu'avec chaque génération d'étudiants, le vide dans la tête est de plus en plus important et ça ne peut être remplacé que par des matrices tout à fait illusoires qui peuvent faire très facilement l'objet de manipulations. Et je pense que l'Europe se retrouve actuellement donc au seuil donc d'une expansion et en fait il y a une foi absolument indescriptible que quelqu'un pourrait appuyer sur le bouton. Mais comme Jean Quatremer l'a toujours dit, il y a des problèmes réels qui devraient être réglés par les Européens, pas par les États-nations. Il y a une phrase fameuse de Valéry Giscard d'Estaing. Voilà, donc il a dit « La France est beaucoup trop petite pour qu'elle puisse résoudre ses problèmes. » Donc effectivement, la responsabilité d'un chef d'État, c'est effectivement de le dire. Maintenant, il y a de nouveaux problèmes qui émergent. Si la France est trop petite pour cela, imaginez un petit peu ce que ça donne en Bulgarie. Donc manifestement, le problème des frontières, nous ne pouvons pas le régler tout seul. Donc manifestement, il faudra chercher une autre solution. Ce n'est pas que notre problème. Manifestement, ce n'est pas que notre problème. En fait, il concerne tout le monde. Donc, c'est ça, effectivement, les problèmes auxquels il faudra trouver une solution. Et il y a donc un cadre légal qui permet de le faire. Bon, vous avez les tomates, les cafés, les concombres, tout ça, les réfrigérateurs. Oui, mais là, je vais rajouter quelque chose. Une question à notre ami français. Puisque, effectivement, les solutions, c'est d'avoir dans Schengen et d'avoir des pays membres de Schengen. De toute façon, les deux vitesses, elles existent déjà depuis le traité de Lisbonne. Mais là, il s'agit de la sécurité. D'une part, l'Europe a décidé, et à partir de cette année, donc, vous avez un fonds commun en vue donc, de mettre en place donc, une défense commune. Et moi, je me pose la question suivante. Frontex, est-ce que c'est ça la vision de l'Europe et de Bruxelles? Attends. Bruxelles qui est méchant, entre guillemets, voilà. Est-ce que c'est ça la vision de Bruxelles concernant donc effectivement la défense des frontières? Je ne sais pas, 180 policiers, c'était ça? 6 pour la Bulgarie, paraît-il. Et puis si jamais, s'il y a lieu, il va y avoir donc la logistique nécessaire, il y a plus que ces 180 policiers qui viendraient ici chez nous. Mais c'est ça la vision de l'Europe sur la défense commune. Et en même temps, vous avez un renforcement extraordinaire des frontières de Schengen.
Donc en fait, on est revenu au point de départ. Où est-ce qu'elle va se retrouver, cette défense commune? Est-ce que ça va suivre les frontières? Non, mais il y a deux choses. Hein, la sécurité, ce qui s'appelle la sécurité intérieure, la sécurité aux frontières, et la défense, les questions militaires. C'est deux choses qui sont différentes. Il faut bien voir que sur la... Je rappelle quand même qu'au moment où on a fait Schengen, en 1995, juste avant que la convention d'application soit conclue, François Mitterrand et Helmut Kohl avaient appelé à la création d'un corps européen de garde-frontières. Mmh. Ce corps européen de garde-frontières n'a jamais vu le jour parce que les États n'en ont pas voulu. Mmh. Là, il a fallu attendre la crise des réfugiés syriens pour que, enfin, cette proposition, qui avait été refaite ensuite par le commissaire français Jacques Barrot, en 2000, il l'avait fait en 2004-2005, dans ces eaux-là, et qui avait été immédiatement bloqué par les États. Parce qu'encore une fois, chacun veut garder le contrôle de ses petits fonctionnaires chez soi, d'accord ? Et personne ne veut voir des fonctionnaires étrangers sur son territoire, sauf quand c'est la panique. Maintenant, les Bulgares, ils sont très demandeurs d'avoir un corps de garde-frontière européen. Mais on leur aurait dit, il y a 5 ans, vous allez prendre maintenant des gardes-frontières au cas où, un jour... un peu comme le désert des Tartares. Ils arriveront. La Bulgare aurait dit non. Le gouvernement bulgare aurait dit non. Je suis souverain sur mes frontières et je suis un grand État capable de contrôler mes frontières extérieures. En plus, donc on a créé un corps de garde-frontières qui n'est pas suffisant. Donc ça peut mobiliser, je crois, en tout, c'est 7 000, 8 000 hommes. Il en faudrait 500 000. Mais... quand vous réfléchissez 30 secondes au problème, ça veut dire quoi? Ça veut dire que, par exemple, en France, le contrôleur des frontières, enfin, je ne sais pas comment on les appelle, les fonctionnaires chargés du contrôle aux frontières, chez nous, s'appelle la police de l'air et des frontières. Les gars sont tranquilles. Voilà, la police des frontières. Chez nous, les gars, ils sont tranquilles en Corse, à Nice, à Marseille, au soleil. Voilà, tranquilles, quoi. Et puis, on leur dit, eh ben, tu vas aller sur la frontière turco-bulgare, maintenant. Tu pas vas aller dans les pays baltes. Il y a dîme, quoi. Mais vous imaginez ce qui va se passer avec les syndicats? Ça va être la grève générale, la France paralysée. Parce que le fonctionnaire français, il ne veut pas aller chez les sauvages de l'Est. C'est ça, la réalité. C'est-à-dire qu'il faut se rendre compte d'une chose. Donc, on devrait faire ça. Mais allez expliquer aux gens que le mec, il va se retrouver en Finlande, au pôle Nord, en train de surveiller que les Russes n'arrivent pas. Non mais vous voyez ce que je veux dire? C'est oui, que oui, oui, oui. Dire on va faire ça, c'est tout simple, la solution elle est là. Mais vous avez des gens au bout et il va falloir envoyer des gens avec à 6000 km ou 5000 km de chez eux pour faire un boulot qu'effectivement les Bulgares ne peuvent pas faire. Donc ça pose des problèmes énormes. Donc en français on dit yaka faucon. Ça paraît simple la solution. La défense. Ça paraît quand même extrêmement simple à faire. Pourquoi il y a encore 27 armées nationales? Pourquoi vous avez... en Bulgarie, vous avez, je ne sais pas combien vous avez de tanks, mais vos tanks, ils doivent être trop vieux. 20 000. Voilà. On a 20 000 de soldats. Voilà. Donc, voilà. On a fait des réformes. Mais peut-être qu'il faudrait passer... Et on débat un avion ou bien une corvette. Hein. C'est ça le débat. Et je n'ai pas compris pourquoi. Voilà. Donc peut-être qu'il faudrait... Actuellement, le budget... Si on cumule le budget... des militaires des 28 États. C'est 50% du budget militaire américain. 50%. Bon. Avec 50%, est-ce qu'on peut faire 50% des missions militaires américaines? Non, on ne peut même pas en faire 10%. Les Français, pour envoyer des soldats, parce qu'on est la seule armée qui sait encore se battre en Europe, c'est nous. C'est les Français. Voilà, on a des militaires, ils savent se battre. C'est la meilleure armée européenne en dehors de l'armée anglaise. Voilà, les Anglais s'en vont, donc il reste les Français. Donc pour envoyer les Français au Mali, c'est nos anciens territoires à nous, eh bien il faut qu'on loue des avions aux Russes et que les Serbes nous fournissent des hôpitaux de campagne. Des Serbes. C'est dingue. Quand on voit que les Grecs, ils ont je ne sais pas combien de centaines de tanks super modernes, enfilés par les Américains à des prix défiant toute concurrence, pour mener une bataille de chars.
Je veux dire, face à la Turquie, ça n'a pas de sens. Ben, non, mais c'est un truc de dingue. Moi, j'ai vu les chars grecs défiler lors de la fête nationale grecque. Et vous êtes là, vous regardez, mais à quoi ça sert? Il faut garantir la sécurité de la Grèce, mais la Grèce n'a pas besoin d'avoir des tanks, des avions, des bateaux, etc. D'abord, c'est surtout des bateaux qu'il faut, et puis c'est garantir sa frontière. Si les Turcs franchissent la frontière grecque, on atomise Ankara. Et voilà, c'est ça la réalité. Donc, et essayer d'intégrer la défense grecque à une défense européenne. Mais les Grecs, ils n'ont pas confiance en nous. Ils n'ont aucune confiance. Et ils n'ont peut-être pas tort, hein, parce que est-ce que les Français seront prêts à mourir pour Athènes? Non. Je ne suis pas certain. Donc ils se disent... Donc les Grecs, ils se disent, bah, avec notre armée qui nous coûte très cher, parce que leur armée leur coûte très cher, je ne parle pas de leurs sous-marins qui sont comme ça, parce qu'ils sont bien fait acheter aussi par Siemens. Voilà. Enfin bon, passons. Corrupteur et corrompu. La même chose, je veux dire que ils préfèrent résister pendant 3 jours, parce que les Turcs, s'ils rentrent en Grèce, c'est 3 jours. Hein. Ça, ils y vont. Ça, c'est l'armée turque. Les Turcs, on peut leur reprocher beaucoup de choses, sauf de ne pas savoir se battre. Donc, ils préfèrent résister 3 jours seuls que de faire confiance à une hypothétique garantie de sécurité française, les Français qui se trouvent à 3000 km de là. Mais on peut les comprendre, franchement. On peut les comprendre. Donc jusqu'à présent, ils avaient plutôt confiance dans les Américains, parce que les Américains, par principe, n'auraient pas laissé rentrer les Turcs. Mais comme les Américains, maintenant, vont partir, hein, ils garantissent plus notre sécurité, les Américains, ils l'ont dit très clairement. Il va falloir un jour ou l'autre que les Grecs se posent cette question-là, mais que nous, Français aussi, on se pose cette question-là. Est-ce qu'on envoie nos troupes au Mali, on les envoie en Afghanistan, on les envoie en Syrie, on les envoie en Irak, hein, enfin, pas en Irak, enfin, maintenant en Irak, à cause de l'État islamique, hein, parce qu'avant, on n'y a pas été. Je veux dire que nous, il va falloir se dire, oui, il va falloir garantir la sécurité de l'ensemble des pays européens. Mais vous imaginez la révolution copernicienne que ça implique, tant pour nous Français, c'est-à-dire se dire qu'il va falloir aller mourir pour Athènes, que pour les Grecs, il faut faire confiance aux Français. Je peux vous dire, on n'y est pas encore. Hein. Donc c'est pour ça que je vous dis l'Europe, c'est pas l'Europe, 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 comme des cabris, disait le général de Gaulle. L'Europe, elle se bâtit sur des réalités. Et les réalités, elles sont nationales. Et tant qu'on n'aura pas surmonté. Justement, on y arrive, mais ça fait 60 ans. Mais la méfiance, elle est toujours là. Le peu de confiance est toujours là. Les Polonais, ils nous reprochent encore à nous, Français, 70 ans après la guerre, de les avoir laissés tomber en 1939. Parce qu'on n'est pas rentré en Allemagne en 1939. On a attendu la drôle de guerre. Bon, on n'avait pas très envie d'aller non plus à la guerre. Mais donc ça fait 80 ans que c'est terminé, cette affaire. Les Polonais, moi je rencontre un journaliste polonais. On boit, parce que le Polonais boit, donc on boit, et au bout de 10 minutes, c'est quand même, vous nous avez laissé tomber en 39. Moi ? Ouais, vous les Français, vous êtes des salauds. Donc, vous voyez, c'est compliqué de faire l'Europe, c'est difficile. Et moi, l'Europe, telle que je l'imagine, je peux faire un truc magnifique dans ma salle de bain, tout seul, le matin, devant ma glace, l'Europe parfaite, je la vois. Mais après... Aller convaincre les Grecs... Vient le jour. Voilà, mais c'est complexe. Et donc, il faut aussi avoir un peu d'humilité. Parce que c'est tellement facile de dire « Ouais, l'Europe, ça marche pas, c'est compliqué, machin, donc je fais autre chose et je balance. » En français, on dit « jeter le bébé avec l'eau du bain ». Ouais, en bulgare aussi. Ah, c'est la même chose. Jeter le bébé avec l'eau du bain, c'est tellement facile. Mais il faut persévérer parce que, effectivement, l'Europe, ça reste une utopie pacifique. C'est merveilleux, l'Europe. C'est merveilleux. Je veux dire, quand même, on est cherché dans l'histoire du monde, dans l'histoire de notre planète, aujourd'hui, des pays qui travaillent ensemble volontairement, qui partagent volontairement leur souveraineté. C'est incroyable. Personne ne le fait. Personne ne réussit à le faire. Moi, je suis super fier de ce qu'on a fait, même si ce n'est pas génial. Vous croyez que la France, c'est génial? Vous croyez que la Bulgarie, c'est génial? Non. Ben, on est fier de nos pays. Il faut être fier de l'Europe. Voilà. Тук, ако имах озвучене, щях да пусна фанфари. Абсолютно. Между другото, нямате време за въпроси, защото времето, което ми дадоха, изтече. Ако организаторите разрешат още малко, трябваше в 8 да свърши. Можем спокойно. Нека да има въпроси. Да, благодаря ви. Един въпрос ще задам. Тъй като съм журналист, аз съвсем кратко ще го задам. Казвам се Владислав Терзиев.
Ще помоля господин Катрамер да не направи една прогноза. Европейският съюз празнува 60 години, защото беше поставен върху общата основа идеята за мира. Сега, когато се говори за Европа на две или повече скорости, центърът на Европа ще бъде еврозоната. Еврозоната има една обща основа и това е общата валута, т.е. парите. Когато парите заменят мира, колко време според вас, лично така като прогноза, като въображение, ще изтрае този Европейски съюз? Благодаря ви. Votre question, la monnaie, c'est un instrument. Ce n'est qu'un instrument. C'est très intéressant d'écouter aujourd'hui les europhobes ou les vendeurs de rêves nous expliquer que la monnaie, c'est ce qui va permettre de créer une économie qui fonctionne mieux qu'avant. Le retour au franc français, le retour au Deutschmark, etc. C'est merveilleux, la monnaie. On se demande pourquoi le Zimbabwe n'est pas le pays le plus riche de la planète. Pourquoi au Venezuela, l'inflation est à 256%. C'est quand même incroyable. Pourquoi ça se fait que plus personne ne vient investir au Venezuela? Donc, si la monnaie était l'instrument magique que font les europhobes, évidemment, ça serait simple de résoudre le problème. Il faudrait même créer, non pas le franc français, il faudrait créer le franc lorrain, le franc de l'Île-de-France, le franc du nord de la France, etc. Small is beautiful. Hein? Non. La zone euro, la monnaie, c'est un instrument. C'est un instrument au service d'une idée politique. C'est pour ça que les europhobes n'aiment pas l'idée de l'euro. Parce que l'euro, c'est juste un instrument pour créer un sentiment d'appartenance. Le fait qu'on puisse se déplacer d'un pays à l'autre avec la même monnaie, mais là, par exemple, j'arrive ici. Il m'a fallu un petit moment avant de comprendre qu'ici, on ne pouvait pas payer en euros. C'est-à-dire, on peut en Angleterre, mais pas ici. C'est bizarre, mais enfin bon, les Britanniques sont très pragmatiques. Et donc, la monnaie, c'est comme exactement ce qui s'est passé aux États-Unis avec le dollar, qui a existé avant même que les États-Unis n'existent. C'est-à-dire que le dollar était un instrument d'échange avant que les États mêmes appartiennent à la fédération américaine. Donc, il ne faut pas se tromper. Ce n'est pas une question économique, ce n'est pas une question monétaire. C'est vraiment une question d'identité. On s'identifie, parce que la monnaie est un instrument de fierté nationale. D'ailleurs, c'est très intéressant. Moi, en Grèce, toujours la Grèce qui est quand même le bon exemple. Parce que s'il y avait un pays qui aurait pu partir, dire, quand même, avec ce qui s'est passé avec Tsipras, son référendum de juillet 2016. C'était quand, 2015? C'était quand le référendum? 2015. Le référendum. Ouais, le référendum, 2015 ou 2016? 2015. 15. Et donc, en juillet 2015, on pouvait dire, les Grecs auraient pu dire, ah ben, très bien, nous, on s'en va et on part. Mais pas du tout. Ils sont restés. Aujourd'hui, vous posez la question aux Grecs. Alors, le sentiment a un peu diminué, parce qu'il faut dire que là, c'est de réforme après réforme après réforme. C'est un peu pénible. Mais bon, majoritairement, ils restent attachés à la monnaie unique. C'est-à-dire que le sentiment pro-euro à l'intérieur de la zone euro, il est extrêmement fort et il a tendance à monter. En France, c'est jamais descendu sous les 70%. Sous les 70%. Donc, ça veut dire que les gens s'identifient à la monnaie. Donc, à votre question, ce n'est pas une question de manque de moyens, d'argent, de crise économique, etc. Vraiment, c'est un instrument au service d'une idée européenne. C'est pour ça que Helmut Kohl a voulu l'euro. Helmut Kohl, quand il a décidé de sacrifier le Deutschmark et de faire l'euro, c'est parce qu'il savait qu'avec ça, ça rendrait, avec une monnaie unique, ça rendrait plus difficile la fin de l'Europe. Parce que ça serait tellement coûteux, ça coûterait tellement d'argent que l'explosion de l'Europe ne se ferait pas. Et avec l'exemple grec, on l'a vu. Ouais. Content ? Cousin Seigneur Gouchlekov. Gouchlekov de l'Association de développement innovant. J'ai entendu, je vous ai écouté avec beaucoup d'attention et beaucoup d'intérêt. Généralement, vous vous êtes concentré sur l'idée quelle Europe nous avons en ce moment et comment beaucoup de ces caractéristiques, nous ne les aimons pas. J'ai beaucoup aimé la réplique de notre invité français qui a dit qu'il aimait beaucoup les États-Unis et je voudrais faire une petite analyse et juste quelques petites remarques qui
serait peut-être utile. Lorsque les États-Unis ont créé leur État, leur fédération, qui était créée par l'Angleterre, après la Terre, avec la réunification de ces États, après la guerre avec l'Angleterre, ils n'avaient plus d'argent pour payer à leurs propres armées. Certains États refusent de payer leurs impôts, donc le gouvernement envoie l'armée pour collecter les impôts dus. Il s'agit d'une manière pas tellement démocratique de créer un État démocratique. Nous, de facto, nous voudrions créer par la voie démocratique une Union européenne démocratique. Mais en la création d'une Union européenne est très, très controversée parce que personne ne sait ici aujourd'hui comment une société évolue. On a donné l'exemple avec Helmut Kohl qui a sacrifié le Deutsche Mark pour créer l'euro, pour créer une monnaie commune. Mais en même temps, les petits pays qui ont adhéré à l'Union européenne après donc les changements dans l'Union soviétique, aucun de ces États ne veut changer de statu quo. Il y a des élites, entre guillemets, là-dedans, qui ne veulent pas changer. Des élites qui veulent avoir les gens sous leur propre contrôle. Donc, puisqu'en ce moment, l'Union européenne ne crée pas les conditions nécessaires pour un développement positif des économies, bon, il alloue beaucoup de moyens via les fonds européens, mais ces moyens ne contribuent pas au développement des économies nationales. Il y a donc un déséquilibre qui se crée, un déséquilibre structurel européen. Donc, puisque ce problème structurel existe, il n'est pas discuté. Et si on n'arrive pas à trouver une solution à ce problème, ce changement, il ne pourrait pas être entier. Le changement, l'évolution d'une société est quelque chose de très complexe et ne peut pas se faire d'un coup. La société ne peut pas changer d'un coup. Il s'agit de changer les habitudes, les caractéristiques politiques de cette société. Donc, il faut toujours créer une masse critique qui adopte ce changement. Et ce changement doit être prouvé devant la majorité, ce qui pourra conduire à l'évolution de toute la société. Bon, je croyais que vous aviez une question. Quelle est votre question, en fait? Ma question est la suivante. Quelle est votre opinion sur ces sujets? Ces sujets qui n'ont pas été discutés jusqu'à présent. Est-ce que vous pouvez donner une opinion? Je peux continuer, mais non, il n'y a pas de temps. Juste deux mots. Oui, il a été question de ce problème structurel à propos du développement des économies. Mais la vérité est que c'est un peu comme le débat sur l'œuf et la poule. Je ne peux pas vraiment dire qui a la primauté, parce que pour avoir un développement économique et un développement social, une évolution sociale dans un État, à propos des déséquilibres structurels, parce que tout le monde en Bulgarie veut ressembler à l'Allemagne. Je ne sais pas pourquoi, moi, je préfère personnellement la France. Mais il faut commencer par ce dont a commencé l'Union européenne. Les normes communes, les mêmes règles de comportement, une compréhension commune sur ce que signifie travailler ensemble, cohabiter ensemble, parce que sinon, personne ne pourra rien faire. Alors, où est la primauté? Je ne sais pas. Qui est-ce qui va faire moins de problèmes? Donc, le problème le plus important pour la Bulgarie, ce sont les problèmes économiques. Parce qu'on ne peut rien faire avec une société
société qui se trouve sur le seuil de la pauvreté. Le problème essentiel, c'est la main-d'œuvre qualifiée. Oui, les Bulgares, ils peuvent garder leurs frontières s'ils sont bien payés, s'ils ont les conditions de travail nécessaires pour que les gardes-frontières puissent bien faire leur travail, puisque ce travail est spécifique, qui demande des choses spécifiques et non pas que des cocotiers et du soleil. Donc, je n'ai pas de réponse à cette question. Quel que soit le pays qu'on prenne en exemple, par exemple la Finlande, son bien-être, ce n'est pas grâce à l'Union européenne qu'elle se trouve, mais elle se développe bien. Donc, le problème, c'est les problèmes communs. Dans la sphère du marché commun, l'Europe a beaucoup fait. Dans la sphère de la monnaie commune aussi beaucoup. Mais dans le domaine de la défense, l'Europe n'a pas fait grand-chose. Et dans le domaine de l'éducation aussi, qu'est-ce qu'on peut dire? La contribution européenne est aussi très importante. Mais faut pas oublier qu'il y a beaucoup de domaines. Donc, Jean Quatremer a donné l'exemple des Polonais, cette sensation de menace pour l'Europe et la guerre en Yougoslavie. Et s'il y a une deuxième crise qui explose, quelles armées vont être envoyées? Nous nous attendions à des armées américaines, quelqu'un d'autre qui pourrait venir nous aider. Ensuite, les différents États et les déficits. Rappelez-vous, les armées françaises, comment elles interagissaient avec les autres. Et les Hollandais qui étaient partis à Srebrenica parce qu'il n'y a pas un corps unique dont a parlé Quatremer. Pourquoi un garde-frontière demanderait à quelqu'un de Marseille, si c'est un Français, il ne voudrait pas venir ici? Mais s'il est européen, s'il s'agit d'un corps européen, donc, il va être payé non pas par le budget français et par le syndicat français, ils ne vont pas être défendus, mais il va être payé par le budget européen. Donc, ça ne va pas être les mêmes problèmes. Est-ce qu'il y a d'autres questions concrètes? Donc, là, il y a une question concrète. Mais il n'y a pas de micro, je n'entends pas. Ma question est la suivante. Je vous écoute. J'écoute. Donc, les règles communes, ça ne va pas résoudre les problèmes. Il faut peut-être planifier. Il doit être mis à jour régulièrement. Moi, j'ai fait toute ma vie des plans. Donc, je sais, si on n'a pas un bon plan, on ne peut rien faire. Et donc, c'est quelque chose de très sérieux. Le problème fondamental, c'est toujours, on revient à la question des États. Les États partagent volontairement leur souveraineté. Mais ils ne partagent que ce qu'ils jugent nécessaire à un moment donné. Ils ne vont jamais au-delà. L'exemple, c'est la crise avec les réfugiés. La guerre en Syrie commence il y a 5 ans. Comment les États, qui ont des services diplomatiques conséquents, notamment la France, pouvait ignorer qu'un jour, la dizaine de millions de réfugiés syriens, tant à l'intérieur du pays que dans les pays périphériques, arriveraient chez nous. Peut-être pas 10 millions, mais au moins 100 000, 500 000. On aurait pu prévoir des plans des contingency plans, comme on dit en français aujourd'hui. On aurait pu prévoir cela. On aurait pu dire en avant, attendez, dans 5 ans, dans 2 ans, dans 3 ans, ils vont arriver. Non, on n'a rien fait. On a attendu la crise et on a réagi comme on a pu dans le désordre le plus total. La Grèce, encore une nouvelle fois. La Grèce est admise en 2001. Moi, qui suis un ami de la Grèce, amoureux de la Grèce, comment ça, on admet la Grèce en 2001 dans la zone euro? Mais c'est un suicide. La Grèce n'est pas prête à rentrer dans la zone euro. Pas d'État, corruption, clientélisme, les chiffres sont faux, etc. Qu'est-ce qui se passe? Dès 2005, le gouvernement néo-démocratia de l'époque reconnaît qu'ils ont menti sur les chiffres des 3 années précédentes. Mensonge sur les chiffres. Qu'est-ce qui se passe? Quand même, grosse alerte. Qu'est-ce qu'on fait? Rien. Pourquoi on fait rien? Parce que les marchés, à ce moment-là,
n'avait pas de raison de s'alarmer parce que la crise des subprimes, c'est 2 ans après. Et au moment où la crise des subprimes explose, mais moi, dès 2007, les gens que je connais dans les banques me disent « Jean, sur la Grèce, ça va péter. » On est tous en train de relever, de faire les comptes des créances douteuses et on s'aperçoit qu'il y a un pays qui ne va pas pouvoir rembourser, ce sont les Grecs. Alors moi, je dis là, mais si les Grecs vont rembourser, je ne pensais pas que c'était à ce point-là, honnêtement. Bon. Mais si ils vont rembourser, restez calme. Non, non, on va être obligé de vendre, là, ce n'est pas possible. La Grèce, tu as vu le montant de leur dette. Ils ne produisent rien, ils ne produisent aucune richesse, ils ne vont pas rembourser. Donc, dès 2007, l'information remontait. J'ai eu l'agence France Trésor fin 2008. Donc, je parlais donc des fonctionnaires parfaitement compétents, hein, français, voir les types de l'agence France Trésor, c'est les meilleurs des meilleurs. Les mecs, je leur dis, ça commence à sentir... Le spread se tend. Ah oui, vous avez remarqué aussi, ouais, ça sent la merde. Je dis, qu'est-ce qu'on va faire? Ben, nous, rien, on a fait monter l'info à l'Elysée, maintenant, on va voir. Qu'est-ce qu'ont fait les États? Rien. Mais surtout, ne bougeons pas. Surtout, on ne va pas faire l'union bancaire avant que ça soit nécessaire. On ne va pas créer le mécanisme européen de stabilité avant que ça soit nécessaire. Non, laissons les choses s'effondrer. Donc, monsieur, vous avez raison. Il faut faire des plans, il faut prévoir, il faut se projeter dans les prochaines crises. Mais nos États, nos gouvernements ne veulent pas, parce qu'ils sont accrochés à leurs petites compétences, leurs petits pouvoirs, et surtout ne pas partager. Donc oui, vous avez raison, mais ça ne se fera jamais. Et je crois qu'on ne verra ni vous, ni moi de notre vivant, des États capables de planifier à 5 ans les prochaines crises. Hélas. Qu'est-ce que je pourrais dire? Quelle est l'Europe que nous voulons? Une Europe qui est plus réelle, bien sûr. Que peut représenter cette Europe plus réelle? Une phrase qui devrait être mise comme slogan. C'est pas un fleuve tranquille, mais une dynamique, une stagnation et des crises. Donc c'est ce que nous avons, des stagnations et des crises. Il reste que nous ayons aussi de la dynamique. J'espère que ça pourra devenir un slogan. Moi, je voudrais avoir une Europe qui ait un objectif clair. Moi, je ne sais pas ce à quoi veut parvenir cette Europe. Je voudrais me reconnaître dans cette Europe, comme avant les citoyens romains, où qu'ils aillent, ils pourraient dire « je suis européen ». Donc, c'est ce que je voudrais voir un jour. Le dernier sondage là, qui vient de sortir en France donne Macron à 24,5%, Le Pen à 21%, Fillon à 20%, Mélenchon à 19%. C'est-à-dire qu'il y a un décrochage de Le Pen. C'est pas vrai, ça. Tout est possible en Europe. Oui. Tout est possible, il faut croire. L'Europe va durer. Si Macron passe en France... et que demain, vous avez Schulz en Allemagne, vous imaginez un peu, l'Europe va totalement changer de visage. Donc le pire n'est pas toujours possible. Il faut croyons en nos peuples. Merci beaucoup. Hélas, il y a peut-être beaucoup d'autres questions, mais nous n'avons plus le temps.